TV, au sommaire de notre journal de la semaine, les rédactions s'agitent. Des grands journaux télévisés du monde entier ont relayé la soudaine aggravation de l'état de santé d'Ariel Sharon. Tour d'horizon. Une délégation de familles israéliennes touchées par le terrorisme s'est rendue au Parlement britannique à Londres pour y délivrer un message de tolérance. Les rappeurs de la haine, un groupe de rap palestinien vu le jour à Gaza. Mais les paroles de leur chanson n'incitent pas à la paix avec Israël. Révolution au sein de l'armée israélienne, la période de service militaire passera prochainement de 3 à 2 ans. Jeux olympiques de Turin, interview exclusive de la représentante israélienne dans l'épreuve de patinage artistique, un espoir de médaille. Enfin, un coup d'œil sur Tout Bishvat, la fête des arbres et des fruits a débuté en Israël cette semaine, pour le plus grand bonheur de tous. Tous ces titres seront développés dans notre journal de la semaine. L'aggravation de la condition d'Ariel Sharon a rameuté les journalistes du monde.